Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode sur The Pandorian Plant. Alors aujourd'hui, on va essayer de finir le let's play. C'est pourquoi la vidéo va peut-être durer un petit peu longtemps, mais en fait, je voulais vraiment boucler ce let's play parce que j'ai des projets en fait qui arrivent au niveau sortie vidéo sur ma chaîne et je voulais être à jour tout simplement. Du coup, on va pas traîner plus que ça, c'est parti. Donc on était rentré chez nous après une soirée assez chill et mignonne avec Idriss sous les étoiles. Et nous voilà du coup pour le début du jour. Je pense que je devrais aller rendre visite à mon cheval. Tu te rends aux écuries. Salut ma belle ou mon beau. Du coup on ne sait toujours pas si c'est une jument ou un mâle. Oh elle est trop belle Maya. Taigi, je te cherchais. Vraiment? Eh bien c'est vrai que je suis rentrée un peu tard hier. Pourquoi est-ce que tu as besoin de moi? Je voulais juste te dire qu'il y avait une visite du vétérinaire aujourd'hui pour faire un check-up. Donc ton cheval a besoin de rester ici pour aujourd'hui. Oh, j'espère que tu n'avais rien de prévu. Non, pas pour le moment. Attends, je vais demander à Alex. Tu prends alors ton téléphone. Tu écris. Est-ce qu'il y a une réunion aujourd'hui? Alex, c'est vraiment genre notre post-it, vous voyez, genre... pas que je ne sois au courant. Bon bah j'espère qu'il n'y a pas plus de choses où elle n'est pas au courant quoi. Enfin je veux dire qu'il n'y a rien d'intéressant de toute manière enfin, qui va se produire quoi. Tu remets ton téléphone dans ta poche et tu regardes à nouveau Maya. Ta copine m'a dit qu'il n'y avait pas de réunion aujourd'hui. Eh bien c'est super alors. Bon et bah on se voit plus tard. Bye bye. Pouf. Bon et bien maintenant tu décides de prendre ton téléphone de nouveau. Quoi? Le temps ne va pas rester comme ça? Bon bah, il n'y a pas grand chose que je peux faire alors. Il va pleuvoir. Tu pensas alors à Idriss. C'était vraiment sympa de sa part de passer du temps avec moi quand je me suis sentie pas en sécurité. Peut-être que je devrais aller lui montrer ma gratitude. Mais qu'est-ce que je pourrais lui donner? Ah, c'est ça, des livres! À propos de quelques connaissances basiques humaines. Je suis sûre qu'il pourra apprécier. Je pourrais aller à la librairie, mais c'est assez long à pied. Quoique, j'ai bien le temps. Ou je pourrais appeler Linda. Je suis sûre qu'elle est proche de la librairie. Ok, appelons Linda. Hey, Taigi, quoi de neuf? Salut, je voulais te demander si tu étais proche de la librairie. Il y a quelques livres que je veux et je n'ai pas de cheval à ma disposition pour le moment. Genre, il se déplace qu'à cheval dans ce monde. Genre, il n'y a pas de vélo, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de bus, il n'y a pas d'avion, je ne sais pas. Ouais, j'y suis. De quel livre tu as besoin? Actuellement, je n'y ai pas encore réfléchi, mais quelque chose à propos des humains. Enfin, je veux dire à propos de notre monde, de Jarvik. Intéressant. Je vais voir ce que je peux trouver et je te rappelle. Merci beaucoup. À plus tard. À plus tard. Bon, bah c'est cool. Elle est vachement sympa, Linda, quand même. Hein. Bon, bah je pense que je vais rentrer chez moi et attendre. Bon, eh bien, je vais attendre jusqu'à ce que Linda arrive. Attendons. Tu attends jusqu'à ce que Linda arrive. Hey! Rentre, Linda. Hello. Voici quelques livres. Linda me les présenta. Oh, alors il y en a un sur la faune et la flore, l'anatomie humaine et folklore de Jarvik et ses traditions. Ça a l'air très intéressant. Ils sont parfaits, merci beaucoup. En regardant ta bibliothèque, je suppose qu'il était temps pour toi d'avoir quelques livres. Enfin, bien que je ne suppose pas que tu vas lire cela. Mais aujourd'hui est un temps parfait pour rire. Pour rire, bien sûr. Pour lire. Aujourd'hui est un jour parfait pour lire. Je ferais mieux d'y retourner avant d'être mouillée. Quoi, il pleut déjà? Non, mais je ferais mieux de me dépêcher. C'est vrai, c'est vrai. Bon, eh bien, merci beaucoup. C'est pour cela que les amis sont faits. Oh, est-ce que c'est une référence à la chanson, une des chansons de Lisa, où dedans elle dit « That's what friends are for ». Oh, peut-être que c'est ça. Bon, eh bien, salut. Salut. Comment est-ce qu'elle a su que ces livres n'étaient pas pour moi? Bah, en même temps, si on ne lit pas beaucoup, tu m'étonnes qu'elle se doute un peu de quelque chose. Bon allez, je vais pas rester à l'intérieur. Je devrais y aller moi aussi. Mais j'ai pas envie que les livres et moi devenions mouillés à cause de la pluie. Tu mis les livres dans ton sac et tu te couvras, en gros. Oh, il pleut, c'est trop stylé. Oh purée,
Linda avait raison à propos du temps. Je ferais mieux de me dépêcher de rentrer. Idris! Est-ce que tu es là? Oula. pourquoi est-ce que tu es là, Tagi? Est-ce que t'as perdu la tête? Oh, je suis désolée. Est-ce que je peux rentrer? Mais oui, je t'en prie, vas-y. Tu entres dans le wagon. Oh, on va rentrer chez lui. Oh, c'est trop mignon! Oh, c'est super beau ici. Mais qu'est-ce qui t'amène ici et par un temps pareil en plus? Je suis désolée, je voulais juste te donner tout ça. En guise de remerciement pour avoir passé du temps avec moi hier. Ce sont des livres à propos de notre monde, comme ça tu pourras en apprendre plus. Oh, je peux pas te remercier davantage, tu es un vrai bijou. Merci, Pris. Eh bien, j'essaye de t'aider. Oh, Taigi, c'est vraiment gentil de ta part. Ces livres sont justement ceux dont j'ai besoin. C'est rien. Tu m'étonnes que c'est rien, c'est même pas nous qui les avons choisis. Genre c'est Linda qui a fait tout le travail. Bon, et maintenant, il pleut toujours dehors. On essaye légèrement de s'incruster, j'ai l'impression. Hein. Tu te sens un peu gêné d'être à l'intérieur de sa maison pour la première fois. Eh bien, qu'est-ce que font les humains comme activité quand vous devez rester à l'intérieur? Jouer à des jeux? Est-ce que tu as déjà joué aux cartes? Non, mais je peux en fabriquer. Ok, fabrique des cartes, Idris. Super! Eh bien, je vais t'expliquer comment fonctionne le blackjack. C'est un jeu très simple et assez rapide. Même si c'est basé sur avoir de la chance. Je suis intriguée. Toi, tu seras l'autre personne, le dealer, qui mélangera les cartes. Mais tu ne peux pas les regarder encore pour le moment. Enfin, seulement si tu dois les dessiner. Tout le monde aura une carte et tu verras combien de points tu as. Il y a des cartes numérotées de 1 à 10. Alors expliquer les règles d'un jeu de cartes. Déjà, je connais pas les jeux de cartes. Genre, vraiment, je connais pas les jeux de cartes. Alors en plus, expliquer des règles en anglais, je suis perdue. Ah, mais je suis trop bête, genre draw, c'est pas dessiner. Bon bref, en gros, on explique les règles du blackjack. Je pense pas que ce soit si important que ça. Je vous avoue que c'est un peu compliqué de traduire. Donc, il y a 21 points maximum. Le plus proche des 21 points gagne. Ok. Et on ne saura jamais combien de points nos cartes ont. Ok, d'accord. C'est un jeu très rapide et on peut jouer autant de manches que nous le souhaitions. Ça a l'air fun. Commençons. Oh, ils vont jouer aux cartes, c'est trop mimes. Tu expliquais à Idris à quoi les cartes devaient ressembler et il les créa. Et ensuite, vous commencez à jouer. Tu peux répéter le mini-jeu autant que tu le veux, ça ne changera rien. J'ai pas regardé les règles, j'ai pas compris les règles et on veut me faire jouer un mini-jeu. Ok, concentration. Bon, je me suis rendu compte que l'emplacement de ma caméra gênait les cartes. Du coup, je me suis juste déplacé le temps de faire le mini-jeu. Donc du coup, si j'ai bien compris, il y a 21 points possibles, donc là on a 10. En vrai, 10, c'est quand même une bonne carte. Hein. Allez, on va garder cette carte. Ah, j'ai perdu. Je comprends rien. Je suis morte de rire. Ok. Allez, on refait une partie. Moi, je veux gagner. Ok, on a 3. Allez, on prend une carte. Un as. L'as, c'est le maximum. Vas-y, on en prend une encore. Encore? Quoi, j'ai perdu? Je comprends rien. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, on arrête de jouer. Eh bien, c'était amusant. Ça dépend pour qui. Hein. Moi, personnellement, j'ai pas compris les règles, alors... La prochaine fois, je pourrais te montrer des jeux un petit peu plus compliqués. Mais je suis contente que tu aies aimé celui-là. J'apprécie tout ce que tu me montres. C'est tellement gentil de ta part de m'aider à m'intégrer dans ce monde. Et me faire me sentir chez moi. Oh, c'est trop mignon ce que tu dis. Eh bien, j'essaie de faire de mon mieux pour t'aider en tant qu'ami. Oh, on vient de le friendzoner, le petit Idris. Pou, pou, pou. Je crois que... Il s'est arrêté de pleuvoir. Oui, c'est vrai. Eh bien, je pense que je devrais aller voir comment mon cheval va. Merci beaucoup pour m'avoir laissé rester ici. C'était un plaisir. Je peux pas attendre de repasser du temps avec toi encore. Bye. Adieu, ma chère. Jusqu'à la prochaine fois. Idris est quelqu'un de spécial. Enfin, quelqu'un de pas ordinaire. Tu es très heureuse d'avoir pu l'aider et c'était marrant aussi. Passer du temps avec lui est réconfortant. Et il est très gentil et poli. Peut-être que tu pourrais parler de lui au Soul Rider un jour. Ce n'est pas une menace après tout. Au contraire, vous pouvez tous les deux devenir de bons amis. Oh, on a terminé! Oh non, c'est fini! Oh, je suis choquée!
on n'aura pas vu les Dark Riders ? Bref, finissons le jeu. Et oui, c'est la fin de cette route. J'espère que ce n'était pas trop soudain. Mais ne t'inquiète pas, il y a plein d'autres fins aussi. Et quelquefois, les conversations changent un petit peu. Enfin bref, merci beaucoup d'avoir joué à ce jeu. J'ai mis beaucoup d'efforts et de temps à le créer et je suis vraiment reconnaissante de chaque joueur du coup. Donc là, il nous dit en gros qu'il ne faut pas hésiter à donner notre avis sur son Instagram ou en la mentionnant, etc. etc. Merci encore. Ah, tu es encore là? Et oui, je suis toujours là. Eh bien, je vais te renvoyer à l'écran d'accueil maintenant. Non. Et voilà, les amis, nous avons terminé ce let's play. Merci beaucoup à Thérèse, merci beaucoup à elle d'avoir créé ce jeu. C'était vraiment super cool. Du coup, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je suis un petit peu déçue parce que je n'ai pas pris la meilleure des routes. Thérèse m'a dit que j'avais pris la route la plus chill, la plus calme. Et donc, c'est vrai que j'ai vraiment pas pris la meilleure route pour avoir beaucoup d'informations sur la plante que Idriss nous montre. On n'a même pas vu les Dark Riders. Du coup, c'est vrai qu'en soi, j'ai pas pris forcément, je pense, la meilleure route possible pour vous présenter le jeu en let's play. Mais au moins, ça vous fera mieux découvrir le jeu, vous, si vous décidez d'y jouer. En tout cas, notre aventure avec Idriss s'arrête ici. J'espère que cette série sur ce let's play vous aura plu. Encore une fois, merci beaucoup à tous ceux qui l'auront suivi. Ça m'a vraiment fait plaisir de voir vos retours sous chacune des vidéos. Et moi, je vous dis du coup à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bisous !